Alors, je vais vous laisser la place sur le pupitre, juste pour préciser que vous êtes géographe, professeur à l'Université de Toulouse, directeur du LIST-CIE, et vous allez peut-être nous en dire un peu plus, le laboratoire interdisciplinaire Solidarité, Société, Territoire, Centre interdisciplinaire d'études urbaines. Et puis, et ben quand même, accessoirement, vous êtes président de l'association Ville Internet avec qui nous co-organisons cette journée. Et vous conduisez une recherche sur les relations entre ville et technique d'information et de communication dans une perspective à la fois historique et géographique. Et je vous dis tout ça de tête. Voilà. Merci. Merci bien. Vous avez fait l'essentiel pour ce qui est de ma présentation. Je n'y reviendrai pas, mais tout de même, ça tombe assez bien parce que vous avez dit d'où vous parliez et vous allez tout de suite comprendre d'où je parle moi-même. Donc, mon premier métier, c'est effectivement enseignant à l'université et je suis géographe. Alors, c'est toujours une question assez cocasse de rappeler la place de la géographie dans ce type de débat. C'est jamais très évident. Je crois que beaucoup d'entre vous peuvent avoir de la géographie scolaire de piètres souvenirs. Effectivement, la géographie, ça ne consiste pas à apprendre le numéro des départements par cœur, la situation des fleuves ou des choses de cette nature. C'est un petit peu plus complexe. En tout cas, on essaye de faire en sorte que ça aborde les grandes questions contemporaines comme celles qui nous concernent aujourd'hui. Alors, je commencerai mon propos, et ce sera court, rassurez-vous, en rappelant que c'est une banalité, certes, mais il faut toujours, toujours la rappeler, et en particulier dans ce genre de circonstances où le titre peut parfois apparaître comme équivoque à celui qui le lirait trop rapidement. Le numérique n'est pas porteur d'une société quelle qu'elle soit. Le numérique s'inscrit dans le développement d'une société. Donc la technique n'est rien. La technique, c'est un état des savoirs à un moment donné dans l'histoire et dans l'espace-temps, en quelque sorte. Elle est génératrice de nombreux bénéfices, parfois, quand elle s'intègre dans des dynamiques sociales, autrement dit, quand elle est portée par les dynamiques sociales. Et quand elle n'est pas portée par les dynamiques sociales, cette technique, elle peut être dévastatrice. Elle peut être aliénante. Quand il s'agit d'un produit d'importation, ça peut détruire des liens sociaux, les remettre en question, sans forcément faire émerger de nouvelles formes d'organisation sociale qui seraient en elles-mêmes intéressantes. Ça, c'est un rapport que l'on connaît très bien dans l'histoire, en particulier quand on voit qu'il y a des rapports de domination dans l'introduction d'une nouvelle façon d'organiser la société et les modes de communication. Les médias en font partie de façon très éminente, évidemment. Alors, je veux juste synthétiser ce que je dis par là autour d'une notion qui est une notion vraiment très éminente de la géographie contemporaine, mais qui a la particularité d'être aussi un mot du langage courant. C'est-à-dire que la géographie, ce n'est pas comme la psychologie, pardonnez-moi, ce n'est pas comme la sociologie ou ce n'est pas comme la physique nucléaire. La géographie produit assez peu de concepts et de notions. Elle en emprunte beaucoup à ses disciplines voisines, mais elle en produit elle-même assez peu. Cependant, elle en produit quelques-uns tout de même. Le problème, c'est qu'effectivement, les concepts qu'elle produit sont des concepts qui sont, par ailleurs, assez souvent des mots-valises. Prenons le mot de territoire. Voilà. C'est un mot, et pour nous, c'est un concept. C'est toute la différence, bien entendu. C'est-à-dire qu'autour du mot territoire, on va pouvoir broder toute une série de concepts associés qui ont du sens dans la recherche en géographie, comme la question de la déterritorialisation, la question de la territorialisation, bien entendu, ou la question de la reterritorialisation. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, à un moment donné, des sociétés qui se défont parce qu'elles perdent leur ancrage de type territorial. Il ne peut pas y avoir de société sans territoire. En tout cas, on n'a pas encore vu la démonstration. Vous me direz, peut-être qu'il faudrait qu'on fasse une géographie interstellaire, je ne sais pas. Peut-être qu'on trouvera ça un jour, mais pour le moment, ça n'existe pas. L'être vivant a besoin de construire son territoire. Et donc, pour construire son territoire, il a besoin d'outils. Et dans ces outils, il y en a quelques-uns qui sont tout à fait fondamentaux, en particulier les médias. Je rappellerai juste qu'il y a très peu de chercheurs en information et communication qui se préoccupent de la question du territoire. C'est-à-dire qu'en fait, on nous abandonne un petit peu cet ensemble de propositions que je viens d'évoquer ici.
Mais il y a quand même quelques personnes en sciences de l'information et communication qui se sont intéressées aux dynamiques spatiales jusque dans ce qu'on appelle le territoire. Je pense en particulier à Armand Matelar, qui a beaucoup écrit sur le sujet. Je pense aussi à Philippe Breton, voire à Serge Proux. Et ils décrivent en particulier, dans un ouvrage vraiment très fameux qui s'appelle « L'explosion de la communication », ils décrivent finalement le fait que dans la production des sociétés archaïques jusqu'au monde moderne, dans la production de ces sociétés, la communication dominante par le système médiatique qui s'impose à ce moment-là, c'est une société qui fonctionne sur le registre de la communication ascendantale. On dit la communication ne fait que traduire la production d'une hiérarchie sociale, société d'ordre. Mais ça va jusqu'au fait que cette communication, elle introduit aussi un face-à-face entre la société dans son territoire et les cieux. Autrement dit, c'est une communication entre le monde des vivants et puis Dieu, le monde céleste. Et le média fondamental, à ce moment-là, c'est le clergé. C'est celui qui est capable de traduire les arrêts du ciel, les auspices, etc. Auspices avec AU, bien entendu. Donc c'est quelque chose de tout à fait intéressant qui est remis en question à quel moment ? Eh bien, à l'époque moderne, d'une certaine manière, avec l'apparition des grands médias qu'on qualifie de modernes. Parce que ces grands médias vont casser cette relation à la fois hiérarchique au sein de la société et entre le monde des vivants et les cieux. Bon, si on va très vite, mais c'est une fresque historique évidemment très synthétique que je vous propose avec la révolution industrielle 18e-19e siècle. Ce qui se développe, c'est le développement de ce qu'on appelle l'individualisme, des sociétés de type individualiste, et émerge ce que le philosophe Jürgen Habermas appelle l'espace public. L'espace public lui-même forgé autour de l'invention de l'individu comme acteur social, de l'émergence de l'opinion publique, etc., etc. Et ce qui domine pendant très très longtemps, on va dire, de la deuxième moitié du 19e siècle jusque pratiquement à la totalité du 20e siècle. Et c'est ce qui est en train d'être remis en question. Par quoi ? Par l'émergence de ce qu'on pourrait appeler les médias sociaux. Les médias sociaux, c'est quoi ? En fait, c'est tout à fait à l'opposé de ce qui existait autrefois. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de clergé entre ceux qui participent aux médias sociaux. Il n'y a plus quelqu'un qui dit ce qui doit être compris et qui fait une exégèse de ce qui est l'ordre du sacré. Il n'y a plus de sacré. Il y a une forme de désacralisation à travers le média social. De la même façon, il n'y a plus non plus ce grand interface qui était le grand média qui s'était institutionnalisé dans le cadre du développement de la société industrielle. Le média social, c'est un média de type transcendantal. Ce n'est plus un modèle ascendantal, c'est un modèle transcendantal. Et toute la question, donc, c'est celle du rapport au territoire. Quels territoires vont émerger avec ce genre de choses ? Eh bien, ce qu'on s'aperçoit, ce dont on se rend compte, c'est que, en fait, avec ces médias, ce type de médiation, eh bien, on assiste à un développement, à une sorte de fourmillement de nouveaux territoires. Il y a des territoires qui se surimposent les uns sur les autres. Il y en a qui disparaissent aussi. Mais donc, il y a toute une série de choses de type nouveau qui ont à voir avec les formes d'organisation de la communication dans l'espace des sociétés. Ça produit, on va dire, à la fois des normes en termes sociaux, mais aussi en termes sociopolitiques, dans le sens où la communication, c'est la circulation de l'information. Autrefois, il y avait les personnes informées, c'était celles qui avaient le pouvoir. Maintenant, on voit bien que dans cette société où il y a surabondance de l'information, ce n'est plus le pouvoir qui détient l'information, il y a aussi un peu tout le monde. Et ça pose de sérieux problèmes, d'ailleurs. Je ne sais pas si il y a des enseignants dans la salle, mais on voit émerger maintenant dans nos amphithéâtres ou dans nos salles des cours des gens qui mettent en doute absolument tout sous prétexte de la théorie du complot. Voilà. Maintenant, il y a une forme d'aplatissement de l'information et ça remet aussi en question un certain nombre de territorialités qui étaient acquises depuis extrêmement longtemps. Alors, pour terminer, mais parce que je crois que j'ai déjà beaucoup entamé mon temps, juste une chose pour rappeler ce en quoi ça a à voir avec l'Internet, tout ça, on pourrait se poser la question. Ce sont des développements qui sont plutôt, on va dire, de type théorique que je vous ai proposé. Mais de la même façon que le directeur d'Urban Prod, j'essaie de mettre en accord ou en cohérence ma démarche professionnelle et puis mon engagement militant dans le cadre de l'Internet.
Eh bien, ce que nous essayons de faire, c'est que, avec Ville Internet, nous essayons de consolider le rôle des collectivités locales parce que ce sont certainement celles qui tiennent le mieux les territoires contemporains dans leur fourmillement et éventuellement dans le registre de la proximité. Les collectivités locales sont et continuent à être des interlocuteurs importants dans cette forme d'organisation des systèmes médiatiques dans lesquels prennent naissance, émergent et fourmillent les médias sociaux.